Christine, c'est une chronique qui était bien attendue. Semble-t-il que ça fait longtemps qu'on veut savoir quelle application tu utilises pour te déplacer. Oui, on me le demande souvent. Christine, c'est quoi l'application GPS que tu utilises? Et la vérité, c'est que j'en utilise plus qu'une. <laughs> Il n'y a, de... a pas une seule réponse. Là. Non, c'est ça. <laughs> bien, c'est sûr qu'il y en a une que j'utilise plus que d'autres, mais aujourd'hui, je vous présente les petits trucs que j'ai développés. Toi, mettons que tu veux te rendre à un endroit auquel tu t'es jamais rendu auparavant, comment tu vas fonctionner? Normalement, la base, je vais être pas mal, pas mal comme toi, Kevin, je vais utiliser Google Maps. Ouais. Bon, c'est sûr qu'on a plein aussi par défaut sur notre iPhone, mais plein, je la trouve plus difficile. C'est rare que j'utilise ça pour une application ben d'abord, oui. <laughs> Mais là, pour vrai, c'est vraiment Google Maps que j'utilise. Elle est très, très accessible avec VoiceOver, il faut le préciser. Donc, des fois, c'est ça, les gens ont la crainte, on se dit oh, non, ça sera pas accessible. Non, au contraire. Donc, c'est vraiment facile. J'entre l'adresse de ma destination station en grignon. Et puis à ce moment-là, peu importe de là où je suis, par défaut, ce sera ma position qui va être prise. Puis, je vais avoir le choix, euh, tout simplement, d'y aller soit en voiture, parce que je suis une très bonne copilote, Kevin, euh, d'y aller en transport en commun ou bien à pied, tout ça. Donc, il s'agit simplement d'insérer l'adresse, cliquer sur itinéraire, puis ensuite choisir le mode. Le mode puis après coup, bon, j'ai juste besoin de choisir les différentes options que j'ai besoin. Sauf que, disons que bon, j'ai fait mon trajet, j'ai pris par exemple le métro, puis bon, il y a une dernière partie où il faut que je le fasse à pied. Comment je vais faire Je vais conserver Google Maps qui va me donner des indications audio, mais là à ce moment-là, je vais le mettre en mode à pied. C'est super important parce que là, il va pouvoir m'indiquer chaque virage que je vais devoir prendre. Puis mon petit truc, c'est que le GPS est parfois en avance, mais il est jamais en retard. Fait qu'on répète ça. Donc, il est Google parfois et... en avance, mais jamais en retard. Donc, ça veut dire qu'il va peut-être parfois te dire 10, 20, 30 mètres trop tôt oui. la prochaine rue, mais il va jamais te dire 30 mètres trop tard. Exactement. Okay. Normalement, c'est vraiment selon mon expérience. La règle d'or. Exactement. Donc, quand on me dit tourner à droite, ben, ça se peut qu'il me reste encore une bonne quinzaine de mètres avant de tourner à droite, mm -hmm. mais au moins, je sais que c'est ma prochaine rue. OK. Oui. Et puis... Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, au début, là, au tout début de mon itinéraire, il va me dire, « aller en direction nord-est, vers, di... vers la rue Sainte-Catherine, par exemple. Mm » -hmm. Là, je fais, « C'est génial pour mes amis qui sont super bons avec leurs points cardinaux. Ouais. » Moi, zéro, OK? Ah, ouais. <laughs> Qu'est-ce que je fais? C'est que, oui, Google Maps, je vais l'utiliser tout au long de mon trajet, mais juste pour m'orienter sur la première direction qu'il me donne, parce que c'est la première fois qu'il va le faire, puis c'est la dernière, là, ça, je vous rassure, c'est que je vais utiliser... Je vais aller ouvrir en parallèle l'application Autour. Donc, autour, comme Google Maps, je le précise, sont gratuites. Et là, autour, tout ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir, puis après ça, aussitôt qu'elle est active, je vais pouvoir mettre mon téléphone à plat dans ouais. ma main, disons. Et là, euh, je, vais, je vais appuyer une seule fois sur l'écran et ça va me dire présentement, je peux pas le faire parce que je suis à l'intérieur, mm -hmm. parce que j'ai besoin d'un signal GPS pour le faire. Mais aussitôt que je vais pointer, par exemple, la tête de mon téléphone, là où est, où est située, par exemple, la caméra derrière, présentement est pointe toi donc elle pointe ma gauche on mm -hmm. est d'accord mais ben, à ce moment là auto va me le dire si ça c'est en direction nord ou ça en direction est peu importe il va dire vous pointez l'ouest par exemple exact et là je peux je pourrais ensuite tourner à ma droite tourner à ma gauche et j'aurais vraiment là je serais capable de, me, de savoir exactement dans quelle direction je m'oriente et après c'est plus facile faire correspondre ça avec les indications de Google Maps ben là, au moins c'est la première fois que Google Maps me dit ça après que j'ai j'ai choisi là dans quelle direction je m'en vais, après coup, j'ai plus besoin de me casser la tête avec autour, je la referme, c'est fini là. Je... Oui. Mais ça, c'est donc quand je me promène soit en métro, soit à pied. Mais qu'est-ce qu'on fait si On est en autobus, puis qu'on est à l'extérieur de l'île de Montréal, ou on, on est même sur une ligne où tout simplement le chauffeur d'autobus il nous l'indique pas l'arrêt. Ouais. Euh, ou bien dans, dans l'autobus on n'a pas d'énonciation euh, sonore. Mais ben, j'ai un petit truc. J'aurais aimé ça l'avoir avant parce qu'honnêtement on a toujours peur souvent de se faire oublier par le chauffeur parce qu'ils bon, ouais. ont tellement de choses euh, qui leur passent par la tête. Que... Ça fait pas si longtemps que les énonciations euh, dans les autobus de la STM non plus. Exact. Puis c'est pas encore toutes les lignes qui sont desservis et tout, donc et ailleurs au Québec. Le truc, c'est que là, je en sors... Cette application-là, elle s'appelle It donc M-O-V-E, it, I-T. Euh, elle est aussi gratuite. Ce que je fais, c'est que je m'en sors juste pour l'autobus. Hein. C'est vraiment que pour ça. Euh, je vais entrer tout simplement mon, ma destination. Puis, à ce moment-là, je vais avoir différentes options. Un peu comme Google Maps, le frais. Ouais. Mais après ça, donc, je choisis la ligne d'autobus dans laquelle je suis, tout ça. Et ce qui est vraiment bien, c'est que là, aussitôt que je vais, je, vais, euh, je vais cliquer sur navigation live et aussitôt que je vais être dans, dans mon itinéraire, tu sais, mon trajet, aussitôt que je vais être à deux stations près de mon arrêt... Ben, là, À ce moment-là, je vais avoir une petite sonnerie qui me dit, vous arrivez bientôt. <laughs> Et aussitôt que j'arrive à l'arrêt aussi, donc aussitôt que je suis à deux arrêts près, je me prépare. Et puis après coup, bon, normalement, c'est sûr qu'on a toujours une marge d'erreur, mais je suis très, très, très près de mon arrêt. Là. Il y a le même système qui fonctionne avec Transit. Oui, bien, transit, je te dirais qu'il faut, avant que je vous en parle davantage, là, puis que je vous montre comment l'utiliser, il y a encore des tests à des faire parce qu'il y a des bugs avec VoiceOver, malheureusement, ah, parce ouais. que transit, éventuellement, là, ce serait vraiment bien parce qu'elle nous dirait en temps réel dans mm -hmm. combien de temps mon autobus arrive. Ça, c'est franchement important. Mais avec VoiceOver, il y a encore des bugs. Super, bien, merci beaucoup, Christine, pour toutes ces informations-là. Et on va mettre évidemment euh, les liens pour télécharger chacune des applications mentionnées sur notre site internet amitele.ca.